perdu. Comment je fais pour savoir? Bah en fait, si vous regardez bien, les... même s'ils disparaissent petit à petit, on voit les couleurs des soldats qui sont morts, et comme les miens sont en rouge, voilà quoi. Ça se calcule. D'ailleurs, le jaune sera notre adversaire pendant très longtemps. C'est bon? Tout le monde est guéri? Tout le monde est prêt? Avec courage! Maintenant que nous sommes dans Falaise, nous devons nous assurer le concours du maire. Venez, nous allons lui parler. Parlez au maire de Falaise. Jeune Guillaume, quelle surprise de vous voir à Falaise. Bien sûr, je serais heureux de mettre ma ville à votre disposition. Bah écoutez, la prochaine fois. Nous savons que Toustin s'est retiré à l'abri de son château au nord d'ici. Il a une grande armée et des défenses imposantes. Pour percer ces fortifications, nous aurons besoin de machines de siège et d'une armée. Pour recruter des hommes en nombre suffisant, nous avons besoin de plus de ressources. Pour cela, il va nous falloir écumer la région. Et vous avez reconnu, c'est la voix du mec qui vous explique le titaticiel. Ouais. Alors, des nouveaux points. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Rien du tout, c'est trop cher. Oh zut. C'était bon en quoi? Enfin, ils étaient bons en quoi? Bonus de combat en montagne. Il n'y a pas énormément de montagnes. Non. Alors on va chercher en infanterie peut-être? Non. En chevalier. Les chevaliers, la cavalerie s'il vous plaît. Les citoyens, char, cavalier. Cavalier à la lance s'il vous plaît. Parce que oui, c'est eux que vous voyez. 23. Et ok, j'ai compris. On va prendre aussi des lanciers donc. Défense, tout ça. J'en veux n'importe comment parce que c'est en fait des bonus qui sont à long terme mais qui sont pas non plus importants dans le sens où c'est voilà capital du genre. Il faut absolument que vous ayez ça. Alors nous avons le droit de produire des épées longues, des piquets. Nous avons le droit de construire des cataphrates, enfin des mecs qui auraient dû normalement être dans l'Empire byzantin. Des chevaliers. Nous avons le droit à la... Oh, un mec. Monseigneur, un habile ingénieur vit, paraît-il, plus au sud. Il est expert en la construction de machines de siège et devrait pouvoir nous en fournir. Merci de me donner un chevalier supplémentaire. Nous avons un hôpital, donc l'université en fait vous donne des, par exemple, un CDV, bâtiment, je ne sais pas ce que c'est, une portée de l'université en fait. Ça c'est quand par exemple vous avez des personnages qui... ce bâtiment... Si jamais un prophète essaie de brûler les bâtiments, il pourra pas puisqu'il y a l'université qui permet de tout réparer. Alors nous avons le droit de faire des arcs longs et des archers sur cheval. Nous avons le droit de produire des prêtres. Et nous pouvons faire même une croisade, une inquisition et de l'indulgence. Voilà. Tout ce beau monde. Là, assemblez une armée et attaquez la forteresse de Toussaint que vous vous sentirez prêt. Ça veut dire on a le temps. Et comme vous voyez, on ne peut pas construire grand chose. Mais l'important, c'est pas en fait de construire des trucs là, ça va être plus de produire des ressources en fait. Le truc, bien sûr, c'est qu'il va falloir les chercher ailleurs. Parce qu'ici, il n'y a que du bois. Et même si on peut construire des moulins, des greniers pour pouvoir faire des fermes. Voilà, c'est pas top. Et on va devoir écumer la région. Mon honneur. J'envoie toute mon armée. Ouais, j'ai pas peur. L'ennemi, il peut envoyer ce qu'il veut. Je suis prêt. Alors, il faudra faire les évolutions, bien sûr. Ça nous aidera. Et oui, je suis toujours enrhumé. Donc, il y a un gars qui vit au sud. Nous allons le voir plus tard. Parce que pour le moment, je vois un chemin qui mène vers le nord. Sur mon honneur. Donc, route vers le nord. Vous allez voir. Alors là, il n'y aura plus beaucoup de combats. On va peut-être voir encore un ou deux. Mais après quoi, ce sera terminé. Il faudra que je produise mon armée, ça va être donc... Et la gloire. Il risque d'y avoir donc une vidéo de gestion. Avec courage. Mais une fois le... Mort aux païens. C'est une embuscade. Nous devons nous battre. Nous
Nous sommes prêts à vous affronter. Je parle d'une... On nous attaque. Oh merde. On a perdu un gars dans le... Pour le trône. C'est horrible, nous avons perdu un fidèle soldat. Et vous? Sur mon honneur. Pour le trône. Vous, vous faites rien. Sur mon honneur. Mort aux païens. Vous en foutez que le nouveau... Enfin, que le duc de Normandie est de retour? Non? Avec courage. Un peu plus vers par là. Je sais pas, peut-être qu'eux, ils sont plus polis, je sais pas. Mais... Pour le trône. Ah, détour. Salutations à vous tous. Et si vous avez besoin de ressources, nous vous donnerons tout ce que vous possédez. Nous avons donné 1500 en pierre. Vous allez voir, ça va avoir une importance tout à l'heure. En avant! Donc, déjà, nous avons enfin trouvé de la pierre. Donc, ce que je vais demander, c'est à 6 de mes citoyens de s'y rendre. Je vous écoute. Oui. Allez, là-bas. Tiens. Construisez un comptoir. C'est le seul endroit où il y a de la pierre. Ah non, dans mes souvenirs. Oui, cette porte doit rester fermée, s'il vous plaît. On va éviter qu'on aille au nord, parce qu'en fait, monsieur de Falaise est là-bas. Monsieur de... Enfin, le comte, là, le mec qu'on doit poutrer, là. Oui. Alors, sachant que je peux en faire 4, le plus ce serait de construire ça à l'extérieur, parce que normalement, ça se construit pas au beau milieu de la ville, ce truc-là. Évitons de le mettre dans le nord. C'est l'endroit où ce serait bien... Bon, ça va un peu chevaucher sur la... Dieu est mon droit. Oui, Dieu est ton droit, tout ça, tout ça. Alors, nous en avons 3, il nous en faut 8, parce qu'il y a 8 fermes, en fait. Donc, 3 plus... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7... Et 8. Ah, 5. Avec courage. Donc continuons à descendre vers le sud. Mort. Il y a l'air d'avoir des choses intéressantes par là. Pressons-nous d'y aller. Vous voulez des machines de siège, hein? J'en ai bien quelques-unes. Juste 500 pierres l'unité. Faites votre choix, messire. Voilà d'où le coup d'avoir... La pierre, il faut choisir entre le bélier, la basilique et le trébuchet. Alors, sachant que ça peut très bien dégommer les portes, sachant que ça permet d'éliminer quelques unités à terre, mais ça risque de toucher une autre. Et ça aussi, ça c'est plus aussi pour la destruction massive. Le choix est très difficile. Très difficile. Les trébuchets sont faits uniquement pour détruire les bâtiments, plus précisément les tours. C'est bien pour enfoncer les portes. C'est bien pour les unités, mais comme j'ai dit, ça risque de toucher les nôtres, et ce serait pas top, quoi. Tout de suite. Aïe. On risque d'avoir un problème. Pas assez de ressources, merde. Oui. Oui. Eh bien, je sais que nous avons déjà les producteurs de bois. Ah oui, on manque de bois, merde. Tiens. Ben, nous en avons 5 pour travailler au bois. Ouais, vous changez de métier, comme ça, je fais ce que je veux. Et bah, on a qu'à essayer les trois. Merci bien. Seriez-vous intéressé par une autre machine? Merci bien. Seriez-vous intéressé par une autre machine? Merci bien. Seriez-vous intéressé par une autre machine? Non, merci. Ça ira pour le moment. Et bah, nous allons essayer tout ça. Pour la couronne! Alors, peut-être pas ça. Faites pas le trébuchet. Ouais, alors les machines, vous attendez sur le côté. Sauf la basilique. Oui, monseigneur. Oui, monseigneur. Tout le monde, en avant. Descendons encore plus vers le sud. Oh, l'armée de Toussaint.
toujours là, le gredin. Ça fait mal. Ah, ça a pas l'air de toucher les idées. En avant ! Donc, continuons. Pas de panique, c'est la sauvegarde automatique. Mort aux païens ! Donc tout le monde, en avant. Alors là, vous voyez, il y a un petit chemin qui, en fait, si vous le prenez, ça vous emmène vers une montagne où il y a des chèvres. Si vous voulez, je peux vous montrer avec une idée. Toi, sur mon honneur. On va dire que c'était l'éclaireur qui était, enfin le mec qui était venu nous prévenir pour le vendeur de trucs. Pour le trône. Et petit chemin. Sur mon honneur. Qui est pour le chemin. Pour le trône. Mais quoi, il se met à monter, tiens. Sur mon honneur. Il monte. Pour le trône. Pour rien. Sur mon honneur. Montez tout là-haut, regardez. Oh, des chèvres. Pour le trône. Pas d'unité. Vous voyez, il y a beaucoup de chèvres. Avec courage. Allez, tout le monde, par là. Avec courage, on va dire. Mort aux païens. Et mort aux païens. Excusez-moi, pas pour leurs idéaux. C'est que, comprenez-moi, à l'époque, si tu disais pas que, par exemple, les gens qui vivaient en Terre Sainte étaient des païens, et ben, t'avais un peu la tête qui était Dieu et mon roi. T'étais écartelé. Enfin, t'avais le choix de comment tu voulais terminer. De ne pas être d'accord avec le christianisme tout ça pour l'époque. Mort aux païens. Ouais, on a beau dire que le christianisme, c'est l'amour, tout ça. Il y a quand même du sang sur les mains. Heureusement, ils ne le tuent pas. Ça, ils ont fait une erreur. Donc, oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un... une base de bandits. Hein, donc, il y a des méchants. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça met d'eau. Nous allons voir les bandits plus tard. En fait, vous allez comprendre ce à quoi vont... En avant! Ce à quoi servent, en fait, ces... Ah, voilà. Bien, monseigneur. J'ai joué, j'ai compris, ça va. Et quand je vais récolter d'autres pour ce pire, je vais recommander un trébuchet. Un truc comme ça. Et un dernier trébuchet. Avec un courage. Voilà. C'est ça ma commande. Bien, monseigneur. J'aime pas trop les basiliques parce qu'elles ne servent pas à grand chose. Elles servent plus en fait à dégommer tes propres unités. Avec courage. Et donc le chemin s'arrête à la fin de la carte. Non, mais après, je... Bien, voilà. Comme un autre. Voilà, voilà. Alors, le trébuchet, tu vas t'occuper de ces tours. Eh oui, c'est ça, l'idée, en fait, des trébuchets, c'est que ça va nous permettre de dégommer les tours. Et ça va nous permettre aussi de nous entraîner. Parce que, comme vous y attendez, les tours du Seigneur Toussaint, elles sont... quittées ? Oui, oui, on peut le dire. Oui. Carrément le dire. Tiens. Bien, maintenant qu'on a du bois là, il nous en manque 3. Non, 1. 1. Si, ça sauve là, il faut 8. Alors, mon trébuchet. On dirait une mine d'or. Elle a l'air bien défendue, mais nous pouvons peut-être nous en emparer. Il a fait même un archer. Ce mec a tout fait dans le jeu. Oh, il y en a deux. Je parle d'un souci. Alors, bienvenue, hein. Oui, monseigneur. Bien évidemment, ce que nous allons faire sur... Mort aux païens. Archer, vous êtes en fait notre trébuchet contre la menace de l'égarde. Oui, votre service. Mort aux païens. Avec courage. Alors, ce que vous avez fait, mort aux païens. Faites attention juste de ne pas vous faire choper par la tour. Avec courage. À votre service. À votre service. Le truc, c'est que
même tirer au-dessus des murs. Alors, c'est... alors en fait, quand ils tirent comme ça, c'est-à-dire qu'ils tirent en fait au-dessus des murs. Et quand ils tirent en ligne droite, bah, ils restent comme ça. Non, j'ai dit, non. Pas vous perdre en début de combat. Ce serait bien que vous vous intéressez à nous. Non, je sais pas, c'est peut-être important. Du fait qu'on attaque votre tour. Non, ça vous fait rien. Vous êtes sûr, hein? Non, mais les mecs, c'est mieux là. Vous êtes sérieux. Oula, oula, attention, attention. On nous attaque. Merde. Oh non. Guillaume. Non, avançons. Ça va être la dernière chose qu'on va faire en fait. Monseigneur. Regarde. Oui, monseigneur. En avant. Ah, une dernière tour. Ouais, mais 30 minutes sont passées. Et ce depuis très longtemps en fait. Donc admirons ensemble une dernière tour. En fait, eux, ils ont l'or et le fer qu'il nous faut. Donc c'est un peu obligé là. Un peu obligé de s'incruster ici. Oui, alors maintenant que nous avons le bois pour les 5 personnes qui étaient prévues là-bas, ça ce sera fait la prochaine fois. Ouais, la bataille est gagnée. Voilà, les bandits ont perdu normalement. Ouais. Les tours sont mortes. On récupère les machines. On leur demande de se rendre en ville. Chose qu'on va demander à l'armée, bien sûr. Oh là là. T'as l'air d'être un retardataire, toi, là-bas. Toujours en retard. Alors, les bandits, qu'est-ce que ça fait d'être poursuivi? Ainsi est le sort qui est destiné au... J'aimerais tous faire quelque chose. Tac, on est comme nous, ouais. Ça sert à rien, mais je m'en fiche. Cela prouve ma puissance, va tout bandit. C'est pas vrai. Évitez de vous faire dégommer. Hein. Alors, 5... Les bandits fut détruit. C'est ainsi que nous avons décidé de sauvegarder. Après avoir demandé à tous ce petit monde de construire les fermes nécessaires. Tiens, je vous écoute. Suite. Oh. Et on va aller ici. Là-bas. Six, ils vont aller là. Ah, peut-être que je pourrais pas. C'est donc 3 queues en or et 3 en fer. De toute façon, qu'avec cette armée-là, je vais dégommer le tir. Pourquoi vous aurez fait ça? Pour rentrer, bien évidemment. Voilà, le village est carrément détruit. Plus la peine de rester les mecs, c'est fini. La bataille est gagnée de façon définitive, là, il n'y a plus rien à part l'armure. Et on va les garder. Non les gars, qu'est-ce que je... Après la destruction de la maison, vous rentrez. Il suffit, arrêtez de jouer, voyons. Arrêtez. Laissez les murs tranquilles, vous n'aurez rien plus. Bref, donc je sauvegarde. Et enregistré. Empereur Valmar. Anglais. Prêt. Et donc je vous dis à la prochaine les Valjean, portez-vous bien, mangez des cookies, vous connaissez la suite, ciao ciao.